Bonjour à tous et bienvenue sur Rock. Aujourd'hui on va s'intéresser à deux binômes de commandants. Le premier Minamoto Kaokao, bien connu et bien utilisé de beaucoup de joueurs. Le deuxième, un peu moins utilisé pour le moment, Béliser Bébar, qui est équivalent à Minamoto Kaokao, on va le voir dans la suite de cette vidéo. Donc on va commencer avec Minamoto. Minamoto Spé cavalerie, maintien de la paix, compétence. De mon point de vue, Minamoto est un commandant qu'il faut euh, exploiter au regard de ses compétences et de son arbre de talent, vraiment en full cavalerie. Il faut aller chercher le dernier talent, qui va être cri de ralliement, qui va être très utile, sans forcément euh, prendre tous les points intermédiaires. Hein. Vous voyez, je ne les ai pas tous pris, car je ne les ai pas tous jugés utiles. À vous de voir selon le style de, de jeu. Mais euh, je pense que l'arbre que j'ai choisi est vraiment un arbre optimisé. Et une fois que vous avez le dernier skill sur la cavalerie, allez chercher l'arbre de compétences. Pourquoi faire cela parce que Minamoto va vraiment être un, un commandant qui va exprimer toute sa puissance sur la cavalerie lorsqu'il est mis en binôme avec Kaokao. Si vous regardez son arbre de talent, certains vont aller chercher des points en maintien de la paix, puis en compétence, puis en cavalerie pour en faire un knocker et un DPS. De mon point de vue, pour avoir déjà testé cet arbre, c'est moins puissant que d'aller chercher un arbre complet de cavalerie et de lui mettre une unité de cavalerie complète. S'il est mis en binôme avec le bon commandant. Et le bon commandant au niveau légendaire, c'est Kaokao. Donc en binôme avec Kaokao, Kao, Kao, qui va avoir aussi des, des compétences qui vont augmenter euh, les dégâts de la cavalerie, vous allez avoir vraiment une grosse force de frappe pour Minamoto. C'est pour ça que l'arbre de talent de Kaokao... Kao, il faut exploiter non pas son skill de cavalerie, parce que ça serait gâché, mais son skill de mobilité, car Kaokao est le commandant le plus rapide du jeu. Donc, il faut vraiment exploiter euh, cet arbre de talent. Et donc, on va faire un, un montage, je dirais, en allant chercher les points un peu partout. D'abord, quand vous montez Kaokao, vous allez chercher les points en premier sur maintien de la paix pour aller chercher le skill pur sang. Ensuite, la mobilité. Puis... Pour finir l'arbre de cavalerie où vous allez aller chercher les dernières augmentations de vitesse en vous dirigeant tranquillement vers le niveau 60. Avec cette, euh, cette, euh, cet arbre-là, ce montage-là, vous avez l'assurance d'avoir un commandant lorsqu'il a la cavalerie ultra rapide. Donc deux configurations. La première, soit vous voulez faire euh, du DPS, du dommage, et donc vous mettez Minamoto en premier, Kaokao en seconde. Vous, vous irez un peu moins vite, mais vous ferez beaucoup plus de dommages, avec euh, bien évidemment une armée full cavalerie. Soit vous êtes euh, par exemple en kill event et ce qui est important pour vous, c'est la mobilité, car vous devez aller de farmer en farmer pour faire beaucoup de points. Et là vous mettez Kaokao en premier et Minamoto en second. Ce qui vous garantira quand même, grâce aux compétences euh, passives euh, de Minamoto, d'avoir euh, un, un beau taux de dégâts et avoir une grosse force de frappe. Si vous n'avez pas ces deux commandants, ou si vous n'avez que l'un des deux sans des compétences de haut niveau, il y a une alternative à cela, qui est Bébar et Bélissère. Bélissère, sans être le commandant le plus rapide du jeu, ça va être le commandant le deuxième plus rapide, juste après Kao Et surtout, lorsqu'il quitte un champ de bataille, ça sera lui le commandant le plus rapide. Même Kaokaon ne va pas aussi vite que Bellisser lorsqu'on qu quitte un champ de bataille. Car Bellisser a deux skills qui vont augmenter sa compétence lorsqu'il quitte le, le champ de bataille. Le skill, le skill complet lorsque vous les avez tous à 5, euh, qui est assoiffé de sang, qui va augmenter jusqu'à 50% la vitesse lorsqu'il quitte pendant 10 secondes. Et il a un deuxième skill aussi, euh, qui est Bucil les Rallye. Qui va lui permettre d'augmenter euh, jusqu'à 25% la vitesse de marche lorsqu'il se quitte le champ de bataille. Donc hey, le même arbre, le euh, chaos sur Bélissère euh, pour aller chercher la, la vitesse. D'abord le maintien de la paix, puis la mobilité et pour finir la cavalerie. Vous remarquerez une petite différence dans les deux arbres. Sur Bélissère, j'ai été chercher vélocité car comme on va être sur euh, principalement une vitesse lorsqu'on va attaquer un ennemi ou qu'on va quitter un champ de bataille, il peut être intéressant d'avoir Vélocité car on va se retrouver très souvent attaqué et donc ça va permettre d'augmenter justement dans ces situations-là la vitesse de marche. Évidemment vous pouvez le prendre aussi sur KOKO, ça dépend là, ce skill-là, de votre style de jeu. En binôme avec Bélicer, je vous conseille ce commandant récent, Kebeba qui va permettre d'augmenter la puissance de Bélissaire lorsque vous êtes en full armée cavalerie. Le même arbre de talent que Minamoto pour, pour Bébar. Pardon. Là, vous voyez, j'ai de la conquête, c'est parce que je n'ai pas encore refait l'arbre de talent depuis que j'ai acquis Bébar. Et lorsque vous l'obtenez, vous avez déjà ses compétences qui ont été placées. Puisque vous l'obtenez, il est directement niveau 20. Donc vous allez aller chercher l'arbre complet cavalerie, puis après vous vous étendez sur la compétence, ce qui va vous apporter, euh, tout comme Minamoto, une très grosse puissance de frappe avec euh, les cavaliers. Donc voilà, si vous pouvez, bien évidemment, le meilleur binôme reste Minamoto, Kaokao cool. en cavalerie. Et en ouais, si vous ne pouvez pas avoir ces deux euh, commandants, je vous conseille vraiment euh, de monter euh, Belisarius et Beba qui qu sont vraiment euh, deux commandants récents, mais qui sont une très belle surprise et qui sont une, une alternative excellente. Vous serez pas du tout ridicule en combat avec euh, ces deux commandants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous allez vraiment euh, maintenant pouvoir euh, maîtriser euh, les commandants euh, qui gèrent euh, la cavalerie tant d'un point de vue rapidité qu que du point de vue euh, de, du DPS. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus.